L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Stéphanie Lamarre, nouvelle présidente du conseil d'administration des TPG, Béatrice. Bonjour Stéphanie Lamarre. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. On va préciser que vous prenez vos fonctions dans 21 jours exactement, le 1er février. Nouvelle présidente donc du conseil d'administration des TPG. Vous êtes prête à recevoir toutes les critiques concernant les retards des bus, des trams, etc. Bien évidemment. Des usagers qui pourraient également vous reprocher potentiellement une grève, puisqu'il y a une consultation qui est en cours auprès des collaborateurs par deux syndicats Sève et Transfert en vue d'un dépôt de préavis pour un mouvement social. Les salariés qui demandent une annexation de 2,5% et des embauches pour notamment augmenter le nombre de réservistes. Est-ce que ce sont des revendications que vous comprenez, Stéphanie Lamarre ? Alors écoutez, comme vous l'avez dit, moi je prendrai mes fonctions le 1er février, donc je n'ai pas encore connaissance de tous les détails, de tous les enjeux au sein des TPG, mais je sais effectivement que l'aspect du personnel est un gros enjeu, et je pense que la direction actuelle, la présidence du conseil d'administration actuel prend les choses en main, mais qu'il va falloir aussi que c'est quelque chose qu'il va falloir continuer. Et vraiment, moi, j'ai bon espoir que dans les discussions, on pourra parvenir à trouver une solution. Vous évoquez des discussions parce que c'est vrai, et ça étonne toujours de notre point de vue helvétique où le consensus est roi, de voir qu'un préavis de grève, un an et demi après une fameuse grève d'octobre, on dit quand même qu'il y a un malaise au sein des TPG concernant ces salariés. Écoutez, alors à nouveau, j'ai pas tous les éléments parce que donc l'idée c'est que à partir du 1er février, je puisse vraiment plonger dans cette belle entreprise que sont les TPG, que je puisse aussi rencontrer les gens, comprendre aussi comment fonctionne l'entreprise et puis vraiment voir les enjeux, les problèmes et puis essayer de trouver les solutions. Donc aujourd'hui, il m'est difficile de répondre très clairement à votre question sur les enjeux précis et les problèmes que vous évoquez. Mais je pense que de manière globale, il y a des discussions qui doivent être trouvées. Et puis, c'est effectivement, comme vous le dites, le consensus qui doit être trouvé, parce que ça fait partie de notre ADN en Suisse et en matière de politique. La porte reste donc grande ouverte, la porte de Stéphanie Lamarre. Le nez de la guerre, c'est tout de même le coût des mesures, quoi qu'il en soit, quand on pense de la situation actuelle des TPG, parce qu'on va le rappeler, les TPG ne peuvent pas augmenter comme ils le souhaitent le prix du ticket. La grille tarifaire, elle est ancrée dans la loi depuis 10 ans. La commission des transports veut que les TPG puissent fixer ces tarifs avec l'aval du Grand Conseil plutôt que ceux du peuple. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette solution-là qui serait quand même permettrait plus de flexibilité, on ne va pas se le cacher ? Écoutez, je pense effectivement que la flexibilité pour une entreprise telle que les TPG est importante. C'est des discussions qu'il va falloir entamer avec le Grand Conseil, des discussions, et ça je sais que mon parti, le Parti Socialiste, n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Je l'ai évoqué, c'est le seul qui contre, on va dire, c'est une proposition de l'UDC et le Parti Socialiste est contre. Exactement. Mais je pense que dans un sens comme dans un autre, la flexibilité est importante et que autant je peux comprendre que le Parti Socialiste craigne des augmentations de tarifs, autant il pourrait y avoir aussi des avantages pour les usagers et les usagères d'avoir cette flexibilité, notamment pour des possibilités d'abonnements différents, de tarifs particuliers pour des différentes activités. Enfin, voilà, donc je pense que laisser la possibilité à l'entreprise de pouvoir gérer ses tarifs me paraîtrait être une bonne idée. Cela dit, bien sûr qu'il faudrait un petit peu cadrer le tout et puis avoir des discussions et trouver une solution avec le Grand Conseil, bien évidemment. Flexibilité des tarifs et pourquoi pas gratuité. C'est souvent évoqué, la gratuité des TPG. Vous en pensez quoi, vous ? Alors, la gratuité des TPG n'est hélas pas possible par la loi fédérale. Et d'ailleurs, il y a eu... Mais dans votre fonds personnel, vous êtes venu dans les TPG. Est-ce que ça aurait été pas plus simple de ne pas payer le ticket ce matin pour venir sur Radio Lac ? Alors, bien sûr que c'est plus simple. Et je pense qu'un pays comme le Luxembourg, du reste, est le seul pays, le premier pays qui a l'entièreté de tous ses transports publics complètement gratuits. Et c'est vrai que c'est assez pratique parce que on monte dans un bus, on monte dans un tram sans se poser la question, si on doit le prendre, s'il faut prendre un ticket, comment ça se passe pour le ticket, etc. C'est clair que ça a des avantages. Moi, je pense qu'il faut vraiment étudier toutes les possibilités et avec les contraintes légales
que nous avons en Suisse, où on a une loi fédérale qui dit que l'usager doit participer financièrement au transport. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération et qu'on veut pas simplement, dont on peut pas, sur lequel on peut pas s'asseoir dessus. Et une fois qu'on a tous les éléments en main, à savoir gratuité, possibilité d'adaptation des tarifs, etc., bon, on pourra prendre une décision. Et c'est ce à quoi je propose de m'atteler, mais d'essayer d'analyser toutes les possibilités pour ensuite pouvoir prendre une décision. Pour terminer, Stéphanie Lamarre, vous prenez la tête d'un conseil d'administration d'une entreprise qui va bien et qui a un beau et fort développement. Dernier épisode en date, cette ligne 15 jusqu'à à la Diplo. Ça aussi, ce sont des belles perspectives pour les TPG, un développement continu de ce transport public. Absolument, et c'est essentiel. Je pense que dans les enjeux de mobilité, les TPG ont un rôle absolument essentiel à jouer. Le développement du réseau, le développement des lignes, et tout ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel. Et ce à quoi il y a des gros enjeux, effectivement, dans ce conseil d'administration, dont je rappelle, effectivement, les deux tiers vont changer. Donc, il va falloir non seulement s'appuyer sur les connaissances des anciens, et puis aussi pouvoir bénéficier du regard des nouveaux. Avec peut-être l'occasion d'utiliser TPG pour aller à Nouvelle Piscine de Carouge. Mais ça, c'est un autre sujet. Ça serait chic, si ça passe. Merci beaucoup, Stéphanie Lamarre, présidente du conseil d'administration des TPG. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, également conseil administratif en ville de Carouge. Précisons-la. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac. Merci beaucoup.